Et salut les motards! Wouh! Il y a de la neige! Wouh! Ça va être un peu le bordel, je pense, en moto. C'est une première en plus de rouler sur la neige. Puis bah, je fais pas à moitié. Mais tranquille, pour le froid. Oula, putain, ça glisse les chaussures. Je suis équipé de gants chauffants. C'est carrément glissant. Et surtout, il y a une putain de descente en partant. Globalement, il y a pas mal de neige sur ma moto aussi. C'est quoi ce bordel? Non, je vais faire une photo comme c'est marrant. Totalement débile. Ok! Ça démarre. Gants chauffants à fond. Pleine puissance. Elle a du mal quand même. Elle a du mal. Là, je pense qu'elle a jamais eu aussi froid en fait. La partie risquée, c'est ça. Et après sur la route, alors je pense, mais surtout j'espère, que c'est globalement déneigé. Hop là, bon ouais. Hein, de toute façon on est dans la région d'Annecy maintenant, donc il faudra s'y faire. Non, ça si je la coupe, ça va pas le faire. Hop, dégage-toi. Allez, on va mettre. Oh putain, voilà, je me suis pété la gueule déjà. Alors pour la petite histoire, moi j'ai commencé la moto avec une mobylette, un Peugeot 103, que mon voisin m'avait gentiment donné. Et il y a vraiment 7 cm de neige, c'est n'importe quoi. Et il me l'avait donné, genre en janvier. Donc évidemment, je vais mettre la 2 quand même. Évidemment, il y avait la neige. Et du coup, le Peugeot 103 ne démarrait pas, c'est un peu pour ça qu'il me l'avait donné. Et j'ai passé mon après-midi à pousser dans la neige un Peugeot 103 pour le démarrer. Et c'était ma première expérience de motard. Oh, j'ai tellement froid aux fesses. Il y a du gel sous mes fesses. Ah, globalement, ça se fait. Hein. Ouais, non, je me suis emballé un peu là. Je commence à mettre des gaz. Ok. Ok, chill. Wouh! En tout cas, je peux vous dire qu'avec mes super gants chauffants, je suis au chaud. Oh non, mais là, c'est tendu là. Ok, je suis encore en vie. Bon, en fait, non, ça va. Oh, il y a la neige partout, c'est vraiment trop joli. Oh putain, je me suis emballé là, j'en ai plein dans le casque. Et j'ai juste ma petite bretelle d'accès à la rocade qui est vraiment mais vénère. Les mecs, ils doivent se dire, mais c'est un taré en fait. J'y peux rien, juste j'étais. Voilà, j'ai pas regardé la météo et j'avais pas prévu qu'il y avait la neige. Hein. Bon bah voilà, je suis tout mouillé déjà. Mais en vrai, ça va un peu. Le problème, c'est la vision aussi. J'ai plein de neige sur le casque là. Ah mince, ma GoPro, j'espère, elle va pas prendre l'eau. Ok, j'enlève le ralenti. Non mais vous voyez plus rien en fait, je suis débile. Ok, voilà. Bah non, moi aussi non plus je vois plus rien. C'est trop joli. Je vais vous essuyer tout le temps en fait. Bon voilà, bah je profite du coup de ces conditions un peu extrêmes pour vous faire un petit review de mes gants chauffants. Alors la marque Five m'a envoyé ces petits gants chauffants dont j'ai fait l'unboxing déjà. Enfin j'ai fait l'unboxing vidéo, voilà, mais j'ai juste pas monté. Un peu de retard sur la vidéo. J'essaye de vous faire un test, mais globalement c'est excellent. C'est-à-dire que moi j'ai fait 5 hivers de ma jeune vie de motard avec des gants été et des sous-gants en soie achetés à Leclerc. Bon, j'avais froid quoi. Comme actuellement mes fesses puisque je suis assis sur la neige, mais... là j'ai découvert du coup les gants chauffants, mais genre là il y a de la neige, chaud. Je suis pas mal en termes de durée de vie sur la neige, ça fait déjà 5 minutes. Et d'avance je vous dis au revoir parce que je crois que la vidéo va se couper, ma GoPro elle a plus trop de place, enfin... Là tranquille je suis à 100 km/h sur la neige. Ils sont incroyables ces pneus, ils sont incroyables. Les trucs résistent à tout. Voilà,
là on est au chaud là. Et hop, on reprend la neige. On va éviter de faire un interfile comme sous la neige, ça serait un peu abusé. On va tranquillement se mettre derrière la voiture et ça va être très bien. Hop 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 hop. Ok, non, bah je me suis un peu emballé là. Parce que sur la neige, ça fait un dérapage de l'arrière, j'ai fait un tout droit. Ok, en fait faut faire gaffe sous la neige. Je me suis dit c'était juste de la pluie, mais non, concrètement non. Je pense qu'il faudra s'y habituer dans la région, je vais vivre l'expérience pas mal de fois.